Et salut tout le monde, c'est Jack9. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va voir ensemble les défis de la semaine 8. Donc voilà, désolé de ne pas avoir fait la semaine dernière, mais il n'y avait pas trop de... Enfin on ne savait pas trop, on n'était pas trop sûr sur les défis. Donc voilà, j'ai préféré ne pas faire plutôt que de me tromper. Donc tout d'abord pour les défis de cette semaine, comme d'habitude hein, 4 défis à 5 étoiles de passe et 3 défis à 10 étoiles de passe. On ne sait pas s'il y aura un palier secret comme chaque semaine. Voilà, parce que l'écran de chargement, je ne sais pas si vous avez remarqué, des gens disent qu'ils sont buggés. Moi pour moi ça continue juste l'histoire, voilà. Juste qu'on devait débloquer 7 écrans de chargement total. Et lui c'est le 8ème un peu symbolique. Voilà pour vous dire, voilà, vous avez débloqué les 7 écrans de chargement. Et je vous rappelle que les écrans de chargement ne sont pas en fonction des semaines hein. Voilà, nous c'est parce qu'on a l'impression que c'est en fonction des semaines. Mais quand vous allez voir l'intitulé exact de comment sont débloqués ces écrans de chargement, c'est bien marqué qu'il faut juste compléter, mettons, une semaine, voilà, de défi du pass de combat. Donc ça, vous pouvez compléter, mettons, que la semaine 10 de vos défis, et vous aurez quand même l'écran de chargement numéro 1. Voilà, pareil, si vous complétez, mettons, la semaine 1, 3 et 4, vous aurez l'écran de chargement numéro 3, parce que vous avez complété 3 semaines. Donc ça, voilà, je tenais bien à vous le rappeler. Nous, c'est parce qu'on a l'impression que c'est celui de la semaine 1, 2, etc., parce qu'on le débloque comme ça, vu qu'on est à la 7ème semaine. Voilà, si t'as fait tous tes défis, tes semaines 7, t'as débloqué l'écran de chargement semaine 7. Donc honnêtement, je pense pas qu'on en aurait d'autres, hein, des écrans de chargement, honnêtement. Par contre, voilà, est-ce qu'il y aura des paliers secrets? Est-ce qu'ils vont nous communiquer des paliers secrets? On ne sait pas, ça pourrait être sympathique, mais sinon, il faudra faire avec. De toute façon, je pense que normalement, beaucoup d'entre vous ont déjà fini, voilà, les défis. Donc normalement, là, c'est plus si vous voulez compléter le pass de combat au maximum. Donc, pour ce qui est des défis, le premier sera de réaliser des dégâts en headshot. Il faudra faire un total de 250 de dégâts en headshot. Pour ce défi-là, je vous conseille de tuer quelqu'un qui est à terre, hein, tout simplement. Voilà, vous mettez quelqu'un à terre, tac, et quand vous le terminez, vous lui tirez les balles en headshot. C'est simple, c'est rapide, voilà, ça se fait facilement, honnêtement, je pense que ça n'a pas le défi le plus compliqué. Après, on aura un défi où on devra trouver 7 coffres sur la map en entière cette fois, hein, mais en une seule partie. Donc voilà, vraiment, il faudra les ouvrir les 7 en une seule partie. Je pense que ça peut être long, voilà, mais c'est pas non plus infaisable. Honnêtement, il suffit de faire les bons spawns, vous faites des petits spawns, voilà, des spawns assez légers, assez à l'écart. Vous allez dans les modes de jeu 50-50 et 20 versus 20, où il y a énormément de coffres, voilà, vu que le spawn est augmenté, je vous le rappelle. Et normalement, ça se fait facilement. Salty Spring cette semaine sera l'assaut de toutes justement les bagarres, etc. pour les coffres. Donc voilà, il faudra un total de 7 coffres comme d'habitude. Je pense que ça va être beaucoup moins l'anarchie que ce qu'on a eu à Risky Reels cette semaine. Voilà, ou du moins le premier jour des défis, parce que bien sûr tout le monde voulait son skin. Là maintenant tout le monde commence à l'avoir, donc ça se calme quand même beaucoup. On aura le retour du défi où on devra trouver des nains de jardin, voilà. Donc je ne sais pas s'il y aura les mêmes emplacements. Alors honnêtement, ça me déçoit un peu d'Epic Games, ils auraient pu mettre autre chose. Après, vu que c'est quand même dit en avance et dans les fichiers du jeu, on n'est pas à l'abri qu'ils fassent une petite mise à jour et qu'ils remplacent les nains de jardin par autre chose, hein. Honnêtement, pourquoi pas. Peut-être qu'ils ont mis les nains de jardin en attendant et ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils vont mettre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous referai une vidéo si, mettons, les emplacements de nains de jardin que j'avais fait en vidéo il y a longtemps ont changé. Mais sinon, bah bien évidemment, vous aurez ma vidéo qui sera toujours d'actualité. Normalement, si vous voyez que j'en réupload pas une, normalement je pense que ce sera les mêmes emplacements, hein. Ça m'étonnerait qu'ils les changent. Par contre, résultat, si ça vient à ne pas être des nains de jardin au final parce qu'ils ont choisi de changer, je vous mettrai bien sûr les nouveaux emplacements et bien sûr la nouvelle chose qu'il faudra trouver. Donc voilà, c'est tout pour les défis à 5 étoiles de passe de combat. On va passer maintenant aux défis considéré comme hard. Donc le premier sera de chercher entre l'ours le réfrigérateur shipment. Alors en gros, ça, si vous n'avez pas compris, c'est tout simplement en anglais pour dire l'endroit où il y a tous les camping-cars, je crois, si je me trompe pas. Donc voilà, ça c'est assez simple à ce niveau là je pense que vous avez tous vu. Et il faudra trouver aussi entre le cratère. Donc en gros, il s'agit bien évidemment de vers Retail Row, tout simplement à droite de Retail Row sur la carte. Voilà, vous avez vite fait le triangle. De toute façon, je vous ferai une vidéo, hein, pour montrer l'emplacement exact. Ça, bien sûr, ça ne change pas, mais vous avez à peu près compris l'idée. Au niveau de l'avant-dernier défi, on aura à réaliser des éliminations avec des armes silencieuses. Donc on aura le choix entre la MP5 ou le petit pistolet silencieux. Voilà, honnêtement, assez simple, 3 éliminations, je vous rappelle qu'on peut terminer les mecs à terre. Même maintenant, alors je ne sais pas si c'était un bug de la semaine dernière, mais quand un allié à moi a terminé le mec que j'ai mis au sol avec une mitraillette, ça m'avait compté le défi. Donc peut-être que là, si mettons vous n'avez pas d'arme silencieuse, que votre pote en a une, ça pourra peut-être vous compter le défi à vous, vu que vous l'avez mis à terre, et à votre pote en même temps, parce que vous avez tout simplement tué la personne avec un silencieux. Donc ça, c'est à tester, mais voilà, je vous informe, vous en faites ce que vous voulez. Et bien sûr, la ville cette fois-ci qui sera d'assaut pour ce qui est des éliminations.
En gros, ce sera Pleasant Park. Voilà, 3 petits kills à Pleasant Park, c'est faisable. Voilà, honnêtement, c'est pas non plus la crise. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est tous les défis. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Voilà, je fais beaucoup de petits trolls et tout. Beaucoup de petits trucs drôles. Je pense que vous l'aurez déjà vu. J'ai un tweet d'ailleurs qui a pas mal marché sur Kingstar et tout, qui a pas mal fait rire. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. Ça me ferait vraiment super plaisir. Demain, on se retrouvera pour une vidéo, vous verrez, assez particulière. J'espère qu'elle vous plaira. Voilà, je vous montrerai quelque chose d'assez exclusif. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Normalement, je l'avais teasé dans une des vidéos du stade, je crois. Bref, vous avez été un peu à le trouver, etc. Mais voilà, là, je vais vraiment vous la montrer. Et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Jack by 9. Et sur ce, à plus, tout le monde. Big Mac, Patty Whack, oh, where my kitty cat, give a dog a bone. How many licks does it take till I get to the center and let a real nigga take you home? I can make this show strong, soon as you hear this phone. From A-T-L-A-N-T-A-N all the way down to yo. Lower than your mama's ever seen it in a lifetime. Never would've imagined it, not even in her right mind. Practicing in front of that mirror, now you doing it.